Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2299 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais vous remercier parce que sur ma chaîne secondaire Bizbiz After Zap Image, donc on vient de passer la barre des 5000 abonnés. Voilà, sur cette chaîne secondaire où je sors des vidéos tous les jours à 17h, bien sûr. C'est la deuxième partie de l'épisode du jour parce qu'il y a toujours beaucoup d'autres infos, bien sûr, à vous donner. Donc merci, bien sûr, à tous ceux qui sont abonnés parce que je pense que ceux qui sont abonnés, là, les 5000 sont également abonnés sur ma chaîne principale. Donc pour ceux qui veulent s'abonner, les gars, elle est en première ligne de description. Aujourd'hui les gars, on est le 2 mai, regardez tous les anniversaires aujourd'hui, donc il y en a pas mal, hein. Il y a par exemple tiens, le joueur du Borussia Dortmund, Julian Brandt, qui fête aujourd'hui ses 27 ans, il y a aussi Jonathan Ikoné, l'ancien joueur de Lille, maintenant joueur de la Fiorentina, il fête aujourd'hui ses 25 ans, ou par exemple tiens, François Camano, ancien joueur de Bordeaux, maintenant il joue du côté de la Russie, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir, donc on prend tout d'abord la direction de l'Angleterre, il y a un match ultra important pour le maintien, Leicester Everton, et du coup ça arrange aucune équipe parce que ça fait match nul de partout entre ces deux équipes. Donc Son Heung-min, qui est un futur joueur de l'Atlético, et Vardy, buteur côté Leicester, contre un but de Calvert-Lewin sur penalty, un but aussi de Iwobi côté Everton. Du coup, de partout entre ces deux équipes, on peut voir les stats de la partie. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, Everton a eu beaucoup plus de tirs, enfin 23 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts. Everton aurait peut-être gagner le match, mais bon, ça fait deux partout entre ces deux équipes, hein. Et on va parler de l'infatigable Jamie Vardy, encore buteur hier, hein, côté Leicester. Et depuis ses débuts en Première Ligue en août 2014, hein, l'année prochaine, ça fera 10 ans quand même qu'il a fait ses débuts en PL. Donc, Jamie Vardy a inscrit 136 buts dans la compétition de la Première Ligue, hein. Seul Harry Kane en a plus à cette époque, 205 depuis août 2014. Ben voilà, Vardy, c'est le meilleur buteur depuis 9 ans, on va dire, du côté du championnat anglais. Il y a seulement Harry Kane qui a marqué plus que lui. Et toujours sur cette rencontre hier, on va parler de la gourde de Jordan Pickford, lui indiquant que James Maddison tirait 60% de ses pénalties au centre du but et qu'il ne devait pas plonger d'un côté. Le gardien anglais, donc, restait au centre et arrêtait le pénalty. C'est vrai que les pénalties, c'est pas de la loterie, les gars. Il faut préparer voilà, les pénalties. Il y en a qui les préparent, bien sûr, hein. Donc, même s'il n'y avait pas de séance de tir au but hier, vu que c'était un match de championnat, bah voilà, le gardien d'Everton, il y a eu un pénalty arrêté, et il l'a arrêté, les gars, Pickford, parce qu'il avait noté où tirer à peu près les joueurs de Leicester, et Maddison qui a eu un penalty. Donc en gros, quasiment plus d'une fois sur deux, il tire ses pénalties au milieu, et du coup, ben, on peut voir Maddison, c'est tout en bas, 60% en plein milieu, et du coup, ben, il est resté au milieu, puis il a arrêté le penalty, tout simplement, Pickford. Donc il a très bien travaillé, on peut dire, avant le match et pendant le match, parce qu'il a respecté ce qu'il devait faire, hein, ne pas plonger, et du coup, il a su, bien sûr, ne pas prendre de but, on va dire, hein, sur ce péno. Et du coup, pour finir avec cette Première Ligue, les gars, un petit coup d'œil au classement après ce match hier pour vous dire que ça arrange aucune équipe parce que Leicester 16e et Everton avant-dernier. Et regardez comment c'est serré. Bon, Southampton, ils sont très mal partis quand même pour se maintenir parce qu'ils ont 24, mais après on passe à 29. Donc 29 pour Everton, hein, qui a fait le match nul hier. Après, Nottingham 30 points, Leeds également 30 points, mais promis non relégable, hein, par rapport à la différence de but. Ensuite, il y a Leicester également 30 points, et après West Ham 34 points. N'oubliez pas, c'est les trois derniers qui descendent. Donc voilà, bien sûr, ça va être ultra serré aussi. Tout va se jouer. Là, il reste plus 4 matchs, hein, de toute façon, du côté, on peut voir, il y a 34 journées de jouer, il y en a 38 en tout du côté de la Première Ligue. Direction l'Espagne, on va parler du FC Séville, les gars, contre Girona. Donc Séville, hein, qui est une équipe, on sait, l'Europa League, ils ont éliminé Manchester United il y a quelques jours. Puis là, ils ont perdu 2-0 chez eux à domicile contre Girona. Souvenez-vous, Girona qui a battu 4-2 le Real Madrid la semaine dernière. Bah, Girona, une victoire 2-0. À noter que Castellanos a été buteur, hein, ce joueur qui avait marqué déjà 4 buts contre le Real Madrid il y a quelques jours. On peut voir pourtant que Séville, les gars, a totalement dominé, plus de 23 tirs, 5 tirs cadrés, aucun but. Girona, les gars, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, donc ils ont été beaucoup plus efficaces que les Sévillans. Et pour revenir, les gars, sur Tati Castellanos, donc sur ses 3 derniers matchs de Liga, 6 buts. Il en a marqué un hier, il en a marqué 4 contre l'équipe du Real et un autre lors du match précédent. Donc voilà, 6 buts sur ses 3 derniers matchs. Alors qu'avant, les gars, il avait marqué également 6, mais sur ses 27 derniers matchs. Donc voilà, actuellement, c'est une grande, ça a peut-être sa meilleure période, on peut dire, hein, depuis qu'il a rejoint cette équipe de Girona. Il y avait aussi un autre match, les gars, entre Mallorca et Bilbao. Score final un partout. À noter que Bilbao égalisa la 97e minute de jeu grâce à un pénalty d'Iñaki Williams. Sinon, ils auraient perdu le match. Et du coup, ça fait un partout entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques de la partie. On revient
En France, les gars, il y avait un match de Ligue 2. Bon, moi qui m'intéressais, parce que je soutiens le DFCO en Ligue 2. Bref, donc DFCO s'est imposé 2-0 du côté de Sochaux. Donc voilà, Dijon fait une très bonne opération niveau maintien. Mais bon, ils sont toujours dans la zone relégable, on va dire dans la zone rouge. Hein, mais bon, voilà, Dijon a complètement dominé hein, cette équipe de Sochaux avec plus de 17 tirs, 6 tirs cadrés et 2 buts. Après, à noter que Sochaux a pris un carton rouge en première période, au bout de 20 minutes de jeu. Bon, un rouge hein, totalement mérité. Et Dijon, depuis la nomination de Pascal Dupraz en tant qu'entraîneur, ben, sur les 4 derniers matchs, ben, c'est 2 victoires. Et 2 matchs nuls, aucune défaite. Alors que voilà, Dijon, que je suis énormément, je sais qu'on perdait beaucoup de matchs avant avec l'ancien coach Omar Daf. Hein. Et niveau classement, donc Dijon toujours premier relégable avec 17 points. Donc le prochain match de Dijon, une petite info les gars, ça sera contre Annecy qui est juste devant Dijon. Il y a 3 points d'écart. Donc voilà, victoire obligatoire des Dijonais. Il reste plus que 5 journées du côté de la Ligue 2, côté Sochaux. Donc voilà, c'est fini la Ligue 1 parce qu'ils pouvaient encore prétendre. Mais là, sur les 5 derniers matchs, quoi, ils en ont perdu 4. Ils ont fait une victoire et 4 défaites là sur les 5 derniers match et du coup ils abandonnent on va dire hein, la lutte pour monter en Ligue 1. Et toujours avec cette Ligue 2 les gars, donc meilleur buteur en Ligue 2 c'est toujours le géorgien Mikotadze, le joueur de Metz les gars, qui est actuellement à 20 buts et je crois 9 passes D, nous fait une énorme saison. Crasso les gars, deuxième position avec Madja et Mendy et Guilavogui hein, en troisième position on peut dire ex aequo, c'est de là. On va parler aussi de la Ligue des Champions féminines parce qu'il y avait la deuxième demi-finale retour. On savait déjà que le Barça était qualifié pour la finale, donc les Blaugrana attendaient leur adversaire. Et du coup, ça sera Wolfsburg, donc dans ce match complètement fou. Donc au match aller, 2-2, au match retour, 2-2 au bout de 90 minutes de jeu. Ça s'est joué en prolongation et on pensait à la séance des tirs au but pour savoir qui allait se qualifier. Mais non les gars, la 119e minute de jeu, n'oubliez pas que la 120e, c'est les pénaltys, donc 119, donc il restait à peu près une minute en gros. Ben voilà, Wolfsburg les gars marque ce troisième but et du coup troisième but synonyme de qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, tout d'abord les statistiques du match. Bon, j'ai pas vu le match mais bien sûr je vous montre hein, parce que ça reste quand même un match de Ligue des Champions. Regardez quand même l'erreur, enfin l'énorme boulette quand même de la joueuse de Arsenal sur le, bah, le but du 3-2 qui est prêt dans toute fin de match hein. Donc on peut voir qu'elle a le ballon là, c'est la gardienne qui lui donne le ballon, donc elle avait le temps de dégager ou même de faire une passe à sa numéro 6, mais non, elle a préféré dribbler. Le problème, bah, c'est qu'elle a essayé de faire un crochet qui n'a pas du tout passé et du coup la joueuse de Wolfsburg a récupéré le ballon, elle est rentrée dans la surface, elle a centré pour sa coéquipière qui était tout seule et du coup ça fait but. Voilà le but qu'elles ont pris les Gunners en toute fin de match. Elles sont effondrées un peu comme l'équipe masculine hein, qui s'effondre dans cette fin de saison de première ligue. Donc voilà, grosse désillusion pour Arsenal et grosse, enfin ils sont heureuses bien sûr les joueuses de Wolfsburg hein, donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre hein, donc du coup l'affiche de la finale de la Ligue des Champions féminine, le Barça contre Wolfsburg hein, ça sera le 3 juin prochain à 16h. Voilà cette rencontre qui succédera à Lyon qui avait gagné la saison dernière la Ligue des Champions de victoire 3-1 contre le Barça. On verra les gars. Voilà, dans quasiment un mois, jour pour jour, cette finale. Hein. Et pour vous dire vraiment que ça a évolué le football féminin, surtout du côté de Arsenal, les gars. Donc, il y a 10 ans, quand Arsenal accueillait Wolfsburg en demi-finale de la Ligue des Champions féminine, hein, donc il y avait seulement 1406 supporters qui étaient présents dans le stade. Hein, seulement 1400, alors qu'hier, le match se joue à guichet fermé du côté du stade des hommes, hein, le Emirates Stadium. Donc là, il y a quasiment 70 000 places, alors qu'il y a 10 ans, les gars, une demi-finale Ligue des Champions, il y avait seulement 1400 personnes. Hein, donc voilà, maintenant, il y a de plus en plus de personnes bien sûr hein, qui vont regarder les matchs de football féminin. Et toujours avec le foot féminin, et pour finir les gars, on va juste parler du Barça, le Barça qui est en finale de Ligue des Champions féminines mais aussi en Liga, incroyable hein. La section féminine du Barça est sur une série de 61 victoires consécutives en championnat, rendez-vous compte. Donc cette saison c'est simple hein, elles viennent de remporter leur 4ème Liga de suite. Cette saison c'est 26 matchs, 26 victoires, 108 buts marqués, seulement 5 buts encaissés. Regardez, voilà c'est tout leur match cette saison. Donc on peut voir des 7-0, on peut voir un 8-0, je peux voir plein de fois des 4-0, tout ça. Et du coup, ça fait plus de 108 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. Et de nouveau, bien sûr, elle gagne cette Liga et 61 victoires d'affilée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est totalement fou. On revient, les gars, avec les hommes. Donc, le programme foot aujourd'hui. Et il y a du beau foot hein, ce soir, les gars. Arsenal contre Chelsea, c'est le derby. Hein, les deux clubs sont dans la ville de Londres. Il y aura aussi Almeria, Elche, Barça, Osasuna et Real Sociedad, Real Madrid hein, ce soir à 22h. Et Toulouse, hein, champion de la Coupe de France, on va dire, reçoit l'équipe de Lens. Hein, donc, Toulouse, voilà, sera content. Ils vont présenter leur trophée. Mais en face, les gars, l'équipe de Lens joue un match très, très sérieux parce que. Voilà, une lutte pour jouer la Ligue des Champions alors que Toulouse quasiment maintenu. Hein, ça sera un match pour du bonus, bien sûr, hein, pour le TFC. Donc voilà, le gros programme foot du jour. On va parler du Paris Saint-Germain. Vous savez que le PSG actuellement, bon, c'est compliqué, hein, on le sait, voilà, c'est comme d'habitude. Hein. Et le collectif Ultra Paris demande la démission de la direction du PSG. Hein. Donc le collectif Ultra Paris au Camp des Loges, hier Camp des Loges, c'est où s'entraînent les joueurs du PSG, appelle à la démission de la direction de Clara Debord.
Bowl avant le Raz-de-Marée. Plus personne ne vous respecte, pourquoi on le ferait? Vous ne respectez en rien notre ville. Qui se reconnaît dans ce PSG? Cassez-vous. Voilà les banderoles des supporters parisiens hier devant le camp des loges par rapport à cette situation très critique du PSG qui a perdu contre Lorient. Le PSG est toujours premier de la Ligue 1, mais le PSG voilà, joue très mal. Le PSG éliminé de la Coupe de France, PSG éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, ça a été une, je pense, la pire saison du PSG sous l'ère QSI. Bien sûr, ça passe plus du tout pour les supporters parisiens. Et la une du journal L'Équipe aujourd'hui, ben c'est Messi qui fait cette une, l'improglio. Messi, pour vous dire aussi une info complètement folle. Donc au lendemain de la défaite contre Lorient, c'était hier, l'Argentin ratait l'entraînement pour se rendre en Arabie Saoudite sans avoir l'accord du staff. Donc écoutez bien, donc le voyage de Léo Messi en Arabie Saoudite sans l'aval du staff fait beaucoup parler, notamment à les joueurs. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Léo Messi, hier, il va avoir entraînement du côté de Paris, mais il n'est pas là à l'entraînement parce qu'il s'est rendu en Arabie Saoudite. Donc Léo Messi, souhaitant se rendre en Arabie Saoudite, a demandé l'autorisation au PSG. Cependant, Christophe Galtier et Luis Campos ont refusé, voilà, de le laisser partir. Donc normalement, il aurait dû être là. Mais l'Argentin est tout de même allé en voyage sans l'accord du club. Donc voilà, normalement, il devait rester et venir à l'entraînement. Il n'est pas venu. En gros, il a séché l'entraînement pour aller en Arabie Saoudite. Pourquoi il allait là-bas? Pour un partenariat qu'il a avec l'Arabie Saoudite, tout ça. Du coup, il est obligé d'aller là-bas. Mais du coup, voilà, il a demandé au club. Le club a refusé. On va dire refuser son voyage, mais bon, il était bien là. Regardez une photo de Messi hier du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, toujours bien sûr très surprenant à ce qui se passe du côté de Paris. Et Raï, les gars, une ancienne légende parisienne, a dit le PSG aujourd'hui c'est encore pire que la saison dernière. Je crois que oui, mais on ne connaît pas la raison. Il faut que les personnes qui sont à l'intérieur du club s'expriment. Voilà, par rapport à ce qui se passe avec Nasser, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, Nasser, le président du Paris Saint-Germain, tout ça. Donc voilà, il va, je pense, beaucoup en cours de changement, beaucoup de mouvements, on va dire, lors du prochain Mercato à un côté PSG. Toujours avec le Paris Saint-Germain. Donc Marquinhos, les gars, prolongé jusqu'en 2027 avec le PSG d'après RMC Sport. Pour l'instant, quand je fais la vidéo, on n'a pas vu encore l'officialisation. Mais bon, voilà, s'il a deux doigts de prolonger, en gros, deux doigts que ça soit officiel, tout simplement, la prolongation de Marquinhos. Toujours avec Paris, les gars, craint que Nuno Mendes ait une rechute de sa blessure précédente. Il est sorti sur blessure lors du dernier match contre Lorient et il avait déjà été blessé de nombreuses semaines dans le passé. Et du coup, en gros, c'est quasiment fin de saison pour Nuno Mendes, l'un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Toujours du côté de Paris, même si ça n'a rien à voir avec le PSG, c'est Antonio Conte, l'ancien coach de Tottenham, actuellement libre, vu que c'est fait licencier par Tottenham, est actuellement en week-end à Paris avec sa femme et sa fille, Antonio Conte. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il pourrait, pourquoi pas, être futur entraîneur du PSG, surtout que le PSG cherche certainement un nouveau coach pour remplacer Galtier. On va parler du Real Madrid qui joue ce soir, le Real, à 22h du côté de la Real Sociedad. Et Rodrigo est maintenant considéré comme le premier choix au poste d'ailier droit du Real Madrid. Quelle ascension depuis la fin de la saison dernière. Donc du côté du Real, il y a toujours le duo Vini Junior avec Benzema, et il y en a plein qui complètent ce duo. Des fois en ailier droit, il y a Valverde, des fois il y a Asensio, et maintenant c'est bien Rodrigo le titulaire indiscutable. Donc il sera certainement titulaire ce soir. La même chose pour le match samedi en Coupe du Roi, la même chose pour, dans une semaine, jour pour jour, le match contre Manchester City, la Ligue des Champions, ça revient semaine prochaine avec ce Real City. Et toujours du côté du Real Madrid, les gars, le vestiaire du Real a promis à Karim Benzema de tout faire pour qu'il termine devant Robert Lewandowski au classement des buteurs en Liga. Les joueurs se sont mis d'accord pour lui laisser le plus d'occasions possible. Donc voilà ce qu'aurait promis en gros le vestiaire du Real Madrid à Karim Benzema. L'objectif, même si la Liga, on sait que c'est quasiment cuit pour le Real Madrid, ce serait que Benzema termine premier au classement des meilleurs buteurs. Un petit coup d'œil actuellement, Lewandowski 19 buts et Benzema 17 buts avec son triplé. Donc il est revenu fort sur Lewandowski. Donc il reste, je crois qu'il reste 5 matchs du côté de la Liga. Donc voilà, ce sera quoi l'objectif du côté du Real Madrid pour cette Liga? Que Benzema garde son trophée Pichichi. Il avait déjà obtenu ce trophée la saison dernière, trophée du meilleur buteur. Mais voilà, il souhaite, enfin le vestiaire du Real souhaiterait que de nouveau ça soit lui le meilleur buteur cette saison en Liga. Toujours avec Karim Benzema, les gars, qui actuellement a 35 buts et passes des ce week-end avec son triplé. Donc il a dépassé les 35 buts et passes des pour la 12e fois de sa carrière. Donc si on met 35 buts et passes des, donc il serait tout en bas. Mais là, c'est les saisons les plus prolifiques. Par exemple, la saison la plus prolifique, c'est la saison dernière où il avait marqué et but plus passes des 59 en 2021-2022. On peut voir aussi les autres saisons, ordre par ordre, de la plus grosse à la moins bonne, même si 2019-2020, les gars, il est à 38, là il est à 35, mais bon, il lui reste encore une dizaine de matchs, donc on verra, il va
il va arriver dans à peu près quelle position, bien sûr, Karim Benzema en fin de saison. Toujours avec le Real Madrid, on va parler d'un grand copain de Karim Benzema, Ronaldo. Les gars, il y a 6 ans, jour pour jour, CR7 nous sortait une célébration de roi. Les supporters de l'Atlético s'en souviennent. Donc, c'est simple, il marque un triplé contre l'Atlético Madrid et il avait fait cette célébration. Il était parti sur le panneau publicitaire pour bras croisés, voilà, plus bouger. Donc voilà, bien sûr, c'était le Cristiano Ronaldo Prime. On va parler de Ruud van Nistelrooy, les gars, avec le PSV, c'est l'entraîneur. Hein. Il fait un énorme travail, les gars, depuis son arrivée au poste d'entraîneur il y a 13 mois. Le club néerlandais a remporté 2 trophées, la Supercoupe des Pays-Bas et la Coupe des Pays-Bas ce week-end contre l'Ajax. Son équipe est deuxième du championnat devant l'Ajax et derrière le Feyenoord qui réalise une très grosse saison. Donc voilà, van Nistelrooy, les gars, ben, pour l'instant, ses débuts en tant que coach hein, sont très bons. On va parler de quelques infos mercato et tout d'abord Manchester United et le PSG observent la situation de Tammy Abraham, l'attaquant anglais de l'équipe de l'AS Roma, donc Chelsea, hein, parce que c'est un ancien joueur de Chelsea, a une clause de rachat de 80 millions d'euros sur l'attaquant de l'AS Roma. Donc on sait que le PSG, mais on sait qu'aussi Manchester United cherche un neuf pour la saison prochaine. Donc du côté de Paris, les gars, il y a beaucoup de noms aussi, même, hein, je dis Kolo Muani, il y a qui Harry Kane, tout ça, mais voilà, pourquoi pas aussi Abraham qui peut être une piste, voilà, du côté du Paris Saint-Germain. On va parler d'Alex Telles, les gars, pour retrouver Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Le club saoudien est intéressé par le latéral gauche de Séville. Actuellement, pourrait débarquer, ancien joueur de Manchester hein, United, et il pourrait débarquer hein, du côté de Al Nassr là, lors du prochain mercato. Si en parlant de Kolo Muani, les gars, les discussions entre le Bayern et Francfort ont démarré pour Randal Kolo Muani. Le prix fixé devrait être un peu en dessous des 100 millions d'euros plus bonus. Donc avec les bonus, en gros, ça dépassera bien sûr les 100 millions d'euros. Donc voilà, Kolo Muani, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il quittera cette équipe de Francfort. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre quand même hein, de Nantes à Francfort pour 0€, et Francfort la va le vendre quand même pour plus de 100 millions d'euros, hein, pour montrer quand même la plus-value énorme que va faire cette équipe allemande, et pourrait certainement débarquer hein, du côté du Bayern. James Maddison, qui a loupé le pénalty hier, enfin qu'on a parlé tout à l'heure, hein, avec l'arrêt de Pickford, bref, donc il quittera Leicester cette saison, n'oubliez pas que Leicester est avant-dernier du championnat, donc voilà, s'il descend en deuxième division, les meilleurs joueurs comme lui, les gars, avec les plus grosses valeurs marchandes, hein, quitteront le club. Donc Manchester United, Tottenham, encore Newcastle sont intéressés par son profil à un an de la fin de son contrat, son prix est estimé entre 45 et 60 millions d'euros, voilà, que pourrait récupérer l'équipe de Leicester, donc voilà, son départ, c'est quasiment sûr, hein, j'ai dit avec la relégation, peut-être hein, pour Leicester. John Loppi plaît beaucoup au stade Rennes. Un autre club du très haut niveau, très haut tableau plutôt en Liga, a noué des contacts avec son entourage. 2 clubs de première ligue sont également intéressés. Reims ne le vendra pas à n'importe quel prix. Voilà, ce joueur qui fait une très bonne saison, John Loppi, voilà, pourrait peut-être débarquer du côté de Rennes. Jude Bellingham, les gars, n'a toujours pas pris de décision concernant son futur malgré les rumeurs qu'il aurait préféré, enfin qu'il aurait choisi le Real Madrid. Donc pour l'instant, d'après Fabrizio Romano, ce journaliste très bien renseigné, il dit que pour l'instant, bah, il n'a toujours pas pris de décision, mais bon, il va devoir trancher, bien sûr. Jude Bellingham, hein, il peut rester toujours à Dortmund, mais ça sera, je pense, soit City, soit le Real Madrid. Moi, je le vois aller du côté de Madrid. Donc, pour l'instant, voilà, d'après Fabrizio Romano, c'est en stand-by, on va dire, hein, son futur. Oli Watkins, les gars, sur les tablettes du Bayern. Hein, c'est vrai que si Kolo Muani, ça se fait pas, ben, peut-être le plan B, les gars, pour être ce joueur. Un attaquant d'Aston Villa réalise une super saison. Il représente piste moins cher, bien sûr, que Harry Kane, Osimhen ou Kolo Muani. Ainsi, ces trois-là, je vais parler juste avant là, ça peut pas le faire. Hein, ben, voilà, un joueur qui coûte bien moins cher, ben, c'est ce Oli Watkins, c'est important, en plus il fait une très belle saison du côté de Villa. Lance, les gars, bouclé la venue du jeune Oscar Cortés, 19 ans, c'est un joueur qui joue milieu de terrain en provenance de Millonarios, donc c'est une équipe colombienne. Le joueur arrivera en juin prochain pour un montant de 4 millions d'euros plus un pourcentage à la revanche. Je vous cache pas, je connais pas le joueur, je pense même tous ceux qui me regardent là, personne connaît ce joueur, mais bon voilà, si Lance, les gars, s'intéresse à ce joueur, c'est que bien sûr il peut apporter un plus à cette équipe lançoise. Lisandru Olmeta, fils de Pascal Olmeta, va refuser la proposition de l'AS Monaco et signer son premier contrat pro au LOL, enfin au LOSC, hein, désolé. Il sera intégré au groupe pro dès la saison prochaine. Donc lui, c'est un joueur des catégories jeunes du côté de Lille. Et Monaco le voulait hein, pour aller du côté de Monaco. Mais lui refuse. Hein. Il veut signer. Il signera son premier contrat professionnel avec Lille. Et sera dans le groupe professionnel de Lille la saison prochaine. On va parler du jeune Lamine Yamal qu'on a beaucoup parlé dimanche. Enfin, c'était samedi soir plutôt par rapport à ses débuts. Hein. Donc il va signer un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec le Barça. Donc ce joueur, je crois qu'en fin de contrat, en plus en 2023. Donc voilà, ce serait une catastrophe pour le
Barça de le perdre gratuitement, imaginez. Donc voilà, il devrait prolonger de 3 années de plus hein, du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il a seulement 15 ans et 291 jours exactement, ce jeune Lamine Yamal. On va parler de cet entraîneur, les gars. Thierry Loret ne prolongera pas son aventure avec le Paris FC. Il en fin de contrat en fin de saison et quittera cette équipe du Paris FC, une équipe de Ligue 2 actuellement. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Allegri, les gars, le double 100 pour lui. Donc depuis le retour d'Allegri, la Juventus a encaissé 100 buts en 100 matchs et Max Allegri a aligné 100 compositions différentes sur ses 100 matchs où il a été le coach. Donc voilà une petite info concernant Max Allegri. Et concernant le futur hein, de ce coach, hein, donc le directeur sportif de la Juve, hein, Calvo, il a dit, il est assez évident que Allegri va rester. Il sera notre entraîneur. Il a signé un contrat de 4 ans, 11 trophées ainsi que 2 finales de Ligue des Champions. Parle pour Allegri. Donc voilà, il devrait rester du côté de la Juventus Turin. Mais voilà, j'avais vu s'il venait. On ne sait jamais, voilà, se faire licencier, ça pourrait être Igor Tudor hein, qui pourrait être ciblé par cette équipe de la Juventus pour le remplacer. Kasper Schmeichel, les gars, veut voir Ineos racheter Manchester United. Voilà, le gardien de l'OGC Nice, il a dit, hein, à mon avis et de mon point de vue, depuis Nissim Djir Radcliffe est un homme de terrain qui vient au match et qui s'y connaît en football. Donc Jim Radcliffe hein, est un grand fan de Manchester United, de très bonnes personnes travaillent avec lui. À Nice, le propriétaire est là, vient au stade et il n'y a pas cette séparation entre ceux qui détiennent les clubs et ceux présents au quotidien, c'est un gros avantage. D'ailleurs, l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai rejoint Nice était Ineos. Évidemment, j'ai un parti pris énorme en espérant qu'Ineos sera le propriétaire de Manchester. Mais attendons de voir. N'oubliez pas que Manchester va se faire racheter là dans les prochaines semaines. Ça sera soit Ineos, soit QSI. Bien sûr, qui aimerait aussi acheter cette équipe des Red Devils. Et pour Schmeichel, donc lui préférait bien sûr Ineos, qui est propriétaire aussi de l'équipe de Nice. Franck Hens, les gars, donc le coach de Lens, ce soir Lens joue un match compliqué hein, du côté de Toulouse, a fait l'éloge de Toulouse en conférence de presse hier. Il a dit la finale de la Coupe de France n'a fait que confirmer la belle saison du TFC. Ils ont des qualités et de la diversité de l'animation avec des joueurs créatifs et efficaces dans la profondeur. C'est vrai que cette équipe de Toulouse, la saison dernière, ils ont monté en Ligue 1, ils ont même terminé premier de Ligue 2 la saison dernière. Là, ils remportent la Coupe de France. C'est une magnifique saison pour le TFC. Et c'est bien sûr du côté de Lens, ils font très attention parce qu'eux jouent un match important ce soir. Et voilà, ils sont à 4 points de Marseille. C'est pour ça qu'ils doivent gagner ce soir pour revenir à 1 point de l'Olympique de Marseille. Parce que samedi, les gars, il y a ce Lens-Marseille. Et notez que ce soir, les gars, côté Lensois, donc Machado, Wesley Saïd et Salis Abdul Samed manqueront l'appel ce mardi pour le déplacement du côté de Toulouse. Voilà, c'est trageur. Par exemple, le dernier, là, Abdul Samed, c'était par rapport au rouge qu'il avait pris contre le PSG. Il est toujours suspendu. Et côté Olympique de Marseille, donc l'OM active le mode revenant. L'OM a remporté son 5e match après avoir concédé le premier but en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. C'est vrai qu'ils perdent 1-0 contre l'AG Auxerre et ils ont gagné le match. C'est déjà arrivé comme 5 fois cette saison. Qu'ils ont pris le premier but et qu'ils ont gagné le match à la fin. Pas mal quand même pour cette équipe de l'OM. Toujours avec Lug, donc avec 40 points pris depuis la reprise. Depuis la Coupe du Monde, l'OM compte le meilleur total de Ligue 1 devant le PSG Monaco, 34 points pour PSG Monaco et l'OM 40 points depuis le retour de la compétition après la Coupe du Monde. Pas mal aussi pour cette équipe marseillaise. Dimeco, les gars, sur l'OM, il a dit pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. Il faut au moins ne pas perdre à Lens et gagner les 4 autres matchs derrière. Donc il n'y a pas à dire, on joue le titre et il faut que Paris perde 2 fois quand même. Ça fait beaucoup du côté de Marseille parce que c'est que l'OM rêve bien sûr de remporter le championnat et pour Dimeco, l'objectif, je pense, de Marseille, c'est plutôt essayer de garder cette deuxième place parce que voilà, ce sera compliqué de revenir sur le PSG. Il ne reste plus que, je crois, 5 matchs. Et le PSG doit perdre quand même sur ses 5 derniers matchs 2 fois pour que et Marseille gagne tout pour que Marseille soit champion de France. Et toujours avec l'OM, les gars, on va parler de ce joueur, les gars, qui est actuellement en grande forme. C'est Under, les gars, un temps critiqué par son manque de statistiques. Under, les gars, c'est 3 buts sur ses 3 derniers matchs. Il a d'ailleurs été élu homme du match c'était avant-hier, avec la note de 8 sur 10 dans le journal équipe Under. Dimanche, bien sûr, grosse performance de sa part. Et aujourd'hui, on peut voir qu'il est en mode relax, les gars, avec son copain Kolasinac. Donc, les deux après-midi pêche pour les deux du côté de Marseille. On peut voir Kolasinac et Under, bien sûr. On peut voir aussi le beau poisson pris par Kolasinac. On va parler de Mvogo, les gars, sur le but de Mbappé. Souvenez-vous, c'est sur cette fête de jeu où Mvogo, le gardien de Lorient, met le ballon devant lui et du coup Mbappé prend le ballon et marque. Donc il réagit par rapport à ça. Il a dit, j'ai cru que l'arbitre avait sifflé car je le vois avec le sifflet en bouche. Il avait levé la main. Je pensais qu'il avait sifflé une simulation de Mbappé. Je vais le relever et je pose le ballon au sol en pensant en pouvoir jouer long. Et non, les gars, non, le jeu pouvait jouer. Et du coup, Mbappé a marqué ce but. Et Mbappé a même célébré ce but juste après. On peut voir avec la photo en bas à droite. Toujours tiens, avec les joueurs français. Donc là, il n'y a pas Kylian Mbappé, mais les autres joueurs français qui ont été performants ce week-end, comme Antoine Griezmann, les gars, deux passes D.
double passeur décisif pour la deuxième fois d'affilée en championnat. Pas mal, hein. Nkunku, les gars, premier but de première réalisation en championnat depuis le 9 novembre dernier pour Nkunku. Kingsley Coman, les gars, donc un but, c'est déjà son 7e but en championnat cette saison. Nouveau record dans sa carrière. Félicitations à lui. Jules Koundé, les gars, donc une passe D, troisième passe D de la saison, toute face à des clubs de Séville, hein, soit le Betis ou soit le FC Séville. Là, c'était le Betis Séville au programme pour le Barça samedi soir. Et Mato Guendouzi, les gars, une passe D impliquée sur deux buts lors de ses trois derniers matchs en championnat. Bah, pas mal, hein, bien sûr. Les Français ont rayonné ce week-end. On va parler des équipes qui marquent le plus de buts du côté de la Première Ligue après la 90e minute de jeu. Et c'est bien Liverpool la meilleure équipe dans ce domaine. Hein, 41 buts, la preuve qu'ils en ont marqué, hein, avec Jota contre c'était Tottenham, hein, ce week-end. 41 buts après la 90e minute du côté de la PL. Et Arsenal qu'on a mis 30, hein, pas cette saison bien sûr, hein, sur toutes les saisons de Première Ligue. Donc 30 Arsenal, 29 pour Tottenham, 27 pour Manchester ou 26 buts pour Chelsea après la 90e minute d'un match de Première Ligue. Aston Villa a concédé, c'était avant-hier, sa première défaite depuis 10 matchs, hein, la fin d'une série de 2 mois et demi d'invincibilité pour l'équipe de Unai Emery. Hein. C'était surtout la première fois que les Villas n'inscrivaient pas le moindre but dans un match de Première Ligue depuis la nomination d'Unai Emery début novembre. Hein, c'est qui marquait au moins à chaque fois un but, et c'est vrai qu'ils ont perdu 1-0 contre Manchester United. Donc défaite, ça faisait plus de 2 mois qu'ils n'avaient pas perdu, et ça faisait quasiment plus de 7 mois, les gars, qui marquaient à chaque fois au moins un but, tout simplement, du côté des matchs de Première Ligue. Toujours du côté de la Première Ligue, parce qu'on va parler de City, les gars. 4 des 5 joueurs avec le plus gros pourcentage de passes réussies en Première Ligue jouent à Manchester City. Donc John Stone, hein, 94, Akanji 93, Ruben Dias 92, Rodri 91, et après ben, c'est pas un joueur qui évolue du côté de Manchester City, c'est Amartey, les gars, je crois qu'il évolue du côté, je sais plus où il évolue, non c'est pas Arsenal, je sais plus, bref, 91% pour le joueur Amartey. Et toujours avec Manchester City, bien sûr qu'on pense à ce club, on pense à Erling Haaland, les gars. Haaland rejoint le club très sélect, on va dire, des joueurs qui ont marqué 50 buts en une saison, comme Messi l'avait fait à l'époque, comme Ronaldo l'avait fait à l'époque, et aussi des autres joueurs, mais aussi Haaland, les gars, n'oubliez pas qu'il a 50 buts, toute compétition confondue cette saison, Erling Haaland. Une petite photo de lui, les gars, avant le match demain de City. Ce soir, il y a Arsenal qui joue à Chelsea, et demain c'est Manchester City, hein, qui jouera un match de championnat, et City joue aussi mardi prochain, bah tiens, la semaine prochaine, les gars, contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Toujours avec City, les gars, Kun Agüero, l'ancien attaquant, et Alvarez aussi, qui fait la même célébration tout simplement que Kun Agüero. Les deux sont argentins, bien sûr, hein. Alvarez qui a marqué un magnifique but, hein, cet avant-hier contre l'équipe de Fulham. Vous vous souvenez quand Imbula est venu au Canal Football Club avec un survêtement du Bayern alors qu'il jouait à l'Olympique de Marseille, hein, complètement fou cette info. Donc il était invité par Canal pour une émission, puis c'est un jour de l'OM, il était venu avec le survêt du Bayern Munich, hein, une petite info complètement insolite. Iniesta, les gars, qui commente un post du LOSC sur Instagram, donc voilà, Lille a mis un petit but et tout, ils ont mis un petit texte et tout, et on peut voir Andrés Iniesta, les gars, qui a mis 3 smileys en train d'applaudir. Voilà, peut-être Iniesta, les gars, grand fan, on peut dire, de l'équipe lilloise. Eric Cantona joue un rôle de parrain de la mafia dans le film AK, disponible sur Netflix depuis vendredi, donc voilà, c'est sur Netflix, les gars. Et Cantona, ancien très grand footballeur français, bien sûr, aussi légende du côté de Manchester United, bien sûr, figure en tant qu'acteur, hein, dans ce film. L'homme fort de l'Équateur pendant la Coupe du Monde, Ener Valencia, 33 ans, réalise une saison en championnat de très très grande qualité avec le Fenerbahçe. Donc cette saison, les gars, avec le Fener, c'est 30 matchs pour 27 buts et 5 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est très très bien. Malheureusement, ce week-end, il est entré en collision avec le gardien adverse et a dû quitter le terrain en ambulance. Il a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux avec le sourire. Donc voilà, bonne nouvelle déjà, s'il se rétablit. Et surtout, très grosse saison, les gars, il est décisif comme sur 32 buts en 30 matchs, hein, du côté du Fener cette saison. Je vais vous montrer, les gars, quelques photos de personnes voilà, qui jouent au football ou entraîneurs, tout ça, avec leur statut. Hein. Donc tout d'abord, José Mourinho, ouais, le vrai, bien sûr. Hein. Donc là, il est côté gauche, hein, voilà, sur l'image, là. On peut voir aussi, le légendaire Gérard, hein, qui ressemble beaucoup, c'est vrai que sa statue est très bien réussie. Hein. La statue aussi de Mohamed Salah, la même chose pour Antoine Griezmann au musée Grévin, du côté de Paris, hein, Grisou. Zlatan Ibrahimovic, la même chose, hein, du côté du musée Grévin, Zlatan. On peut voir aussi la statue de Cristiano Ronaldo, hein, qui était très très content, CR7, de voir sa statue. La même chose pour Iker Casillas, légende, hein, du côté du Real Madrid, ou même Manuel Neuer, le gardien allemand. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les championnats, et on va regarder les équipes, voilà, le classement, tout ça, pour voir
qui est bien parti pour remporter les championnats, tout ça. Donc voilà, les championnats déjà pliés. Donc le championnat où il n'y a pratiquement aucun suspense, c'est bien du côté de la Serie A. Donc par rapport au titre, hein, 79 points contre 61 pour la Lazio. Là, il n'y a pas du tout de suspense pour le titre. C'est après, il y a du suspense pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. 4 places qualificatives. Donc à noter que Naples, Lazio, Juve et Inter seraient pour l'instant les équipes qualifiées la saison prochaine. Mais regardez Milan, les gars, 57 points. Je crois qu'il y a aussi l'AS Roma juste derrière qui doit être aussi à 57 points. Donc là, ça sera très serré jusqu'à la fin de la saison du côté de la Liga. Donc concernant le titre, hein, donc le Barça, voilà, 11 points d'avance sur le Real Madrid, ça va le faire bien sûr. Pour le FC Barcelone, il reste 6 matchs, hein, du côté de la Liga. Donc le Real Madrid, objectif, rester deuxième. Atlético, troisième, et la Real Sociedad, quatrième. Donc voilà, les trois premiers là, que ce soit l'Atlético, Real, Barça, hein, ça va être ça bien sûr, le podium. Après, à quelle place, hein, je pense que ça restera comme ça, dans cet ordre. Du côté de la Liga, le PSG. Donc le PSG, bon, il reste encore 5 matchs, hein, le PSG a 5 points d'avance, il reste encore 15 points à donner du côté de la Liga pour n'importe quelle équipe. Donc pour Marseille, mathématiquement, c'est encore jouable, même si on voit le PSG quand même garder cette première place, surtout que le PSG a vraiment un calendrier très favorable pour ces derniers matchs. Ils vont jouer quasiment contre que des équipes qui jouent bas de tableau, on veut dire, alors que Marseille par exemple joue un match très compliqué à Lens, hein, dès samedi. Donc voilà le classement de la Ligue 1. Du côté du Portugal, à noter que le Benfica lâchait pas mal de points, qui avait quasiment plus de 12 points d'avance là il y a quelques semaines. Mais maintenant ils ont seulement plus que 4 points d'avance sur l'équipe de Porto, donc il reste plus que 4 matchs à 34 journées, hein, du côté de la Liga portugaise. Donc voilà, c'est jouable encore pour Porto, il reste encore 12 points à donner, puis il y a seulement 4 points d'écart, même si le Benfica a quand même un sacré avantage pour remporter ce championnat. Du côté de la Turquie, donc là aussi Galatasaray qui avait beaucoup de points d'avance là il y a quelques semaines, hein, cet écart les gars c'est vraiment réduit, on peut dire, a fondu, hein, parce que le Fener maintenant a seulement 3 points de retard sur le Galatasaray. Et là aussi il reste plus que 4 matchs à jouer, hein, du côté du championnat turc, hein, donc on verra les gars, c'est vrai que tout reste jouable bien sûr entre ces deux équipes. Et à noter aussi que le Galatasaray a un petit avantage par rapport à la différence de but, ils ont plus 4 en différence de but par rapport au Fenerbahçe. Des fois la différence de but bien sûr, c'est comme si ça te donnait un point en plus. Le Bayern, donc là c'est serré les gars, le Bayern a un point d'avance sur Dortmund. Donc le Bayern, s'ils gagnent leurs 4 derniers matchs, ils seront champions. Donc voilà, Dortmund a raté le coche quand même ce week-end en faisant le match nul, hein, sinon ils auraient été encore en tête, puis ils auraient eu leur destin entre leurs mains. Et un championnat très indécis, bien sûr, c'est le championnat anglais. Donc City a un point d'avance sur Arsenal. City a un match aussi en retard par rapport à Arsenal. Arsenal joue ce soir. Si Arsenal gagne contre Chelsea, ils repasseront devant City. Mais City aura toujours 2 matchs en retard par rapport à cette équipe des Gunners. City, n'oubliez pas, joue demain. Donc voilà, tous les classements, on va dire. Il y a des championnats où c'est déjà plié. Des championnats comme le championnat allemand ou même anglais. Tout peut arriver, bien sûr, jusqu'à l'ultime journée. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, les gars, sur ma chaîne After Zap Image, que j'ai parlé en tout début de vidéo. Donc moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à tout à l'heure.